Bien, on est parti pour découvrir Slime Rancher 2. Après une longue journée d'élevage, Béatrix le Beau savourait un jus de carottes bien frais en regardant le soleil disparaître derrière la mer des slimes. Soudain, un bateau émergea et atteint son quai. Il ne contenait rien d'autre qu'une lettre mystérieuse. Vous avez exploré Far, Far West, des rivages poussiéreux aux récifs arides, en passant par les coins les plus reclus et périlleux du désert de verre. Il existe des mondes encore inexplorés. Béatrix le Beau, l'île arc-en-ciel vous attend. Embarquez si vous êtes prête à vivre de nouvelles aventures. Tintintin! C'est beau! Béatrix monta à bord du bateau avec enthousiasme. Pour une île arc-en-ciel, tu m'étonnes. On veut des slimes arc-en-ciel! Et traversa la mer des slimes. Au bout d'un moment, elle aperçut une île radicalement différente de Far, Far West. Il y avait des montagnes, des arbres et de l'herbe multicolore. Dansant sous la brise, comme dans un rêve. Alors qu'elle explorait les environs, elle trouva une serre abandonnée qui surplombait le reste de la ville. Curieusement, de l'île, pardon. Elle était équipée de tout ce qu'une éleveuse en son genre pouvait désirer pour dompter des slimes, créer une ferme et construire des gadgets. Comme pour le premier volet, hein, globalement. Ah, la petite crème de slime! C'est ainsi qu'une nouvelle aventure commença. Béatrix mit ses bottes, prépara son aspipac et partit explorer l'île arc-en-ciel, prête à découvrir ses nombreux mystères. Tintintin! Oh là 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 là! C'est magnifique! C'est vraiment incroyablement beau! Ça me rend très très nostalgique des anciens volets de Slime Rancher. C'est magnifique! C'est vraiment très très beau! Ça a l'air de marcher comme l'un. C'est un peu répétitif ce jeu, non? Bah moi j'ai pas trouvé parce qu'il y a énormément de choses à explorer, des énigmes et tout. Pour le coup c'est un jeu que j'ai trouvé très complet. C'est très complet parce qu'en fait tu commences, t'as juste les slimes roses. Et t'as plein de slimes à découvrir. Et tu dois te balader à travers plein de maps différentes pour réussir à les découvrir. T'en as qui sont cachés, tu dois faire des énigmes et tout pour trouver certains. T'as des mini-jeux, des quêtes et tout. Non c'est vraiment très complet comme jeu. Et ça en fait un jeu où t'as envie de revenir et t'as envie de le terminer, de tout voir, de tout faire. Je le trouve vraiment très sympa. Je le trouve vraiment très très sympa. Merci beaucoup pour le raid et l'os. Laura, comment s'est passé le live? Comment s'est passé le live? Vous étiez sur quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous tout. Comment ça va? Pour tous ceux qui ne nous ont pas dit, comment s'est passé votre petite semaine, votre petite journée? Et bienvenue, bienvenue en tout cas à toutes les petites frimousses qui débarquent sur le live. N'hésitez pas, pour ceux qui ne se sont jamais présentés, à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, si éventuellement vous avez des animaux. Tout ça, dites-nous tout. On veut tout savoir. Faut que je mette en pause, attendez, oui, le jeu défile pendant ce temps-là. Bien, vous arrivez pile au tout début de notre aventure sur Slime Rancher. Slime Rancher qui fait partie de mes jeux préférés, j'ai joué au 1. Qui est sorti il y a un petit moment maintenant, et là il y a le 2 qui vient de sortir pour mon plus grand plaisir, bien évidemment. L'idée c'est qu'on arrive sur une nouvelle île, là c'est l'île Arc-en-Ciel qui est absolument incroyablement trop belle. On arrive sur une nouvelle île, on va la découvrir, le jeu est magnifique. À l'époque, je sais quand j'ai commencé à y jouer, il était en Early Access. Il y avait plein de parties du monde, là il est encore en Early Access, donc je pense le 2, il est encore en Early Access. Je pense qu'il va y avoir des zones qu'on va pas pouvoir explorer tout de suite, mais on va pouvoir y aller au fur et à mesure. C'est un jeu qui est extrêmement complet. L'idée c'est que tu récupères des slimes qui sont des petits blobs. Tu as le blob de base, le slime de base qui est rose. Et tu vas avoir plein de types de slimes différents. Tu vas avoir le slime d'eau, le slime de plante, le slime chat, le slime chasseur, le slime papillon, le slime chauve-souris. Du coup ça fait des petites bouilles trop mignonnes. Juste tu passes ton temps à fondre devant les slimes dans ce jeu. C'est un jeu qui est très reposant, qui est très chill. C'est un jeu de farming. J'adore les jeux de farming, j'adore les jeux de gestion. Tu dois développer ta ferme, tu récupères tes petits slimes, tu les mets dans des enclos. Et au fur et à mesure, en récupérant leurs crottes, ils font des petits cristaux. Ils font pas n'importe quelle crotte, ce n'est pas n'importe qui les slimes. Ils font des petites crottes que tu dois récupérer, que tu dois vendre. Et au fur et à mesure, en vendant tout ça, tu vas pouvoir récupérer des sous
pour améliorer tes enclos. Avec après, tu pourras avoir des nourrisseurs automatiques, des gamelles qui nourrissent automatiquement tes slimes. Tu auras juste à mettre dedans de la nourriture, qui récupère d'autres qui récupèrent automatiquement leur crotte. Tu n'auras plus qu'à aller les chercher et aller les vendre. T'en as qui vont pouvoir les fermer et tout pour les protéger des gros dons. Les slimes noirs qui vont pouvoir contaminer tous tes enclos et tout. Donc tu vas falloir faire très très attention à ça. Il va y avoir plein de mécaniques dans le jeu, plein de choses à explorer, de zones à explorer, de slimes à découvrir, des énigmes à faire. Et je sais qu'il y avait une partie que j'aimais beaucoup avec... Ça complétait vachement le jeu, c'était avec des petits mini-jeux et tout, c'était très très chouette. Je sais pas ce qu'ils ont prévu dans ce volet-là, je me suis pas trop spoilée, je pars à la découverte de cette aventure avec vous. Et j'espère que ça va vous plaire, autant que moi ça me plaît, parce que je suis très très contente. Parce qu'on aime la thunasse, exactement, on adore la thunasse. Les sosos, les pia-pièces, c'est des crottes qui rapportent de la thunasse. Nous aussi on aimerait bien que nos crottes rapportent de la thunasse, dis donc. Ok, let's go! Les slimes sont la clé de votre succès. Tirez les slimes! Tirons les slimes, je sais plus c'est quoi les touches. Donc ça c'est pour aspirer, ça c'est pour tirer. Genre on a déjà des enclos avec un toit. Non, il a pas de toit, j'ai cru. Viens par là, toi! Hop là! Hop! Donc d'abord on commence par choper tous les petits slimes roses. On va commencer par se créer un petit enclos. Ensuite il va falloir qu'on aille leur chercher de la nourriture. Un maximum de nourriture. Afin qu'ils soient beaux. Et soient... c'est trop beau! On va prendre notre temps pour découvrir un petit peu parce que c'est vraiment magnifique. Genre, dans ce volet, on a une giga serre. Dans le premier volet, on avait juste une vieille ferme, là. Alors, il va y avoir des slimes qui vont manger des poules. Il y a des slimes qui vont manger uniquement de la viande. Et d'autres qui vont manger des végétaux et de la viande, comme les slimes normaux. Et d'autres qui vont manger que des légumes, que des végétaux. Donc, il faut faire gaffe à comment on nourrit nos slimes en fonction de leur espèce. Donc là, par exemple, les slimes vont manger des fruits, des légumes ou du poulet. Mais je ne vais pas nourrir mes slimes avec le poulet. Je vais précieusement garder ce poulet et je vais plutôt leur donner des carottes, qui sont un tout petit chouï plus fréquentes que les poulets. Comme ça, je suis sûre d'avoir du poulet quand j'en aurai besoin. C'est trop beau. J'ai envie de tout explorer. On termine le tuto d'abord. Chaque chose en son temps, chaque chose en son temps. On va nourrir les petits slimes. Coucou vous. Regardez, on a des petites carottes pour vous. Donnez-nous des caca de slime. Il faut donner des caca de slime. Toi aussi, t'as un caca de slime, là. Donnez des caca de slime. Lorsque ça le mange, il fabrique des plortes. Rendez-vous au marché des plortes pour les vendre. Allons vendre les plortes. J'appelais ça des caca de slime ou des cristaux, mais let's go pour les plortes. Les petites plortes. Let's go. Le marché du plort vous donne des Neobux. Vous avez appris les bases et maintenant tente d'aller explorer les lieux. Je suis trop excitée, je n'arrive plus à parler. Peu importe le vent vous mène, restez toujours curieux et bienveillant. Alors, commencez à explorer tranquillement. C'est notre chez nous. On avait déjà un chez nous à l'époque, on recevait du courrier et tout. On peut dormir, très bien, revenir à la serre. Mais ouais, c'est trop bien, on commence ce volet avec une giga serre. Genre, tout à fait normal. C'est magnifique. Trop trop beau. Des petits outils. On a des outils mais on peut pas les utiliser. Hein, donc c'est juste décoratif. Une poule. C'est joli. Je suis trop triste de pas pouvoir le tourner en HD par contre. Sachez-le, je suis triste. Ça bug, ça me rend triste. Qu'est-ce que c'est? Une expansion de la serre? J'ai pas encore la thune, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Bientôt on a la thunasse pour tout acheter. On veut tout acheter, on veut tout acheter. C'est trop joli. Allez, allons explorer. Ah non, ici on peut pas, je crois. Ouais, ici on peut pas non plus, ça coûte combien? Ok. Bah, on verra dans quelle ordre on le fera, parce que je crois que les prix augmentent en fonction... Là, ils sont tous à 1800, mais du coup, si on veut certains trucs et pas d'autres... Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre les petites poules dans un enclos toute seule. J'ai pas d'autre enclos. Il faudrait déjà j'ai un autre enclos. Vite. Ce serait déjà un bon début. Hop là. Je voulais mettre les poules et les coques ensemble pour qu'ils fassent des bébés, mais je sais plus si ça marche comme ça ou pas. Je voulais faire le test, mais j'ai pas d'autre enclos. Est-ce que j'ai la thune pour faire un autre enclos?
Des slimes radieux rendent les éleveurs heureux. Un petit terrain. Allez. On va mettre les poules dedans. On va voir si elles font des bébés, mais je suis plus sûre. Ça fait longtemps. On va mettre les cocos et on va mettre les poussins. Les poussins, non ? Hop là. La nourriture des slimes. Il faut que je fasse gaffe parce que si les slimes, ils ont faim, on va les voir coller aux vitres et ils vont essayer de venir manger les poules. Regardez-les. Je trouve ça génial. Une carotte. Non mais c'est suffisant pour que je sois contente. Hein. C'est suffisant pour que je sois heureuse. Pourquoi t'es pas dans ton enclos, toi ? Là-dedans. Les poussins. Les poussins. Là-bas aussi, c'est une extension. On va aller dans la zone qu'on a déjà. Hein. Mais bon, ça me permet de récupérer un peu de nourriture qui traîne par-ci, par-là. Est-ce que je peux grimpouiller ? Je peux grimpouiller. Ça va nous mener vers des contes très arides. Peut-être on va trouver des slimes. Non, on est bloqué. Je suis déçue. Bon, allez, on va dans la zone où on peut aller chercher de nouveaux slimes. Coucou toi. Qu'est-ce que tu fais ? Payez pour activer. Accès au journal. J'avais programmé les drones pour qu'ils, pour qu'ils reconstruisent la serre à l'identique stylée. J'étais si heureuse de la revoir, entière, avec son verre qui filtrait la superbe lumière du jour de cet endroit magique. Une fois terminé, j'ai cru que les choses étaient revenues à la normale pendant le temps. Je pensais pouvoir y entrer et recommencer comme si rien ne s'était passé. Et même en sachant que ce n'est pas réellement le cas, j'étais tellement contente de rentrer enfin chez moi. Bah tu m'étonnes, moi. Je peux t'activer ? Non, je peux pas t'activer encore. Plus tard, peut-être. On pourra activer le drone de recherche. Est-ce que je prends des dégâts dessus ? Je crois que oui. Ça va, j'ai pas sauté trop haut, visiblement. Il fallait que je fasse un poulailler, mais j'ai plus la thune pour un poulailler, du coup. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va chercher d'autres slimes, d'autres petites plortes. J'ai encore des poules. Bon, je les laisse dedans. En attendant, ça me vide mon inventaire, de toute façon. C'est pas plus mal. Vous avez faim ? Vous bavez pas encore ? Ça va. Vous mourrez pas de faim non plus. Mais on va vite aller chercher à manger quand même. On va vite aller chercher à manger. J'ai un enfant. C'est par là qu'on peut aller ? Non, c'est pas par là. C'est par où la suite de l'aventure ? Tout droit, non ? Tout droit à la sortie ? Je vais me perdre, je vais tourner en rond, je vais jamais trouver. La suite logique. Mais je vais jamais au bon endroit aussi. Je vais jamais là où c'est la suite logique. Ouais, boum, dans le vide. J'ai perdu de l'énergie, mais je suis pas morte. Une petite gratte. Oh, des herbes colorées comme dans un rêve qui disparaissent aussitôt. Les champs arc-en-ciel. J'arrive la nuit. Allez, on va découvrir. Oh, un port. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un geyser ? Qu'est-ce que... Zut, je suis déçue. Plus tard, on pourra récolter des petits trucs ici. Intéressant. Notre bateau ! C'est avec ça qu'on est venu ici, j'imagine. C'est avec lui qu'on est venu ici. Ta-ta-ta-tan ! Non. Des slimes ! On a besoin de slimes pour devenir riche ! Oh ! Il y a les slimes lucioles, ils ont changé, ils étaient pas comme ça avant. Ils sont trop lumineux, ils sont trop beaux, j'adore. Ils étaient beaucoup plus comme sur la petite image en dessous. Attendez, faut que je suis en train de régler la vitesse de ma souris. Un peu trop rapide. Pour ce jeu, je veux pas qu'elle soit trop rapide. Je veux pas qu'elle soit trop lente non plus. Faut que j'ai le temps de voir les infos et que j'ai le temps de me casser en courant s'il y a un gros don. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Et la fille, viens faire la beauté. Toi aussi. Du coup, on a une petite luciole. Est-ce que je peux mettre... Je crois que si je mets la luciole avec les... Pourquoi c'est comme ça ? Il y a un gros don ? Ah non, c'est parce qu'il fait nuit, d'accord. J'ai eu trop peur. Je me suis dit, oula, pourquoi c'est phosphorescent ? Qu'est-ce qui se passe ? Si je mets la luciole, je crois qu'il va... les lucioles, elles vont contaminer tous les autres. Avec leurs plortes. Faut que je récupère leurs plortes vite. Sinon, elles vont contaminer les autres. C'est pas moi, j'ai récupéré les plortes. Mais c'est pas très grave, c'est mignon les lucioles. Mais elles aiment pas trop le jour les lucioles, du coup je sais plus ce qui se passe la nuit pour les lucioles. Ah, elles s'envolent. Elles disparaissent, je crois. Wouhou.
Il leur faut des enclos spéciales aux lucioles. Il leur faut des enclos spéciales. Bon, on continue. Aventurons-nous dehors. Je veux des nouvelles espèces. C'est par où? Je me suis perdue déjà. Alors, on continue. On va aller chercher des slimes partout. Les petits slimes du Jules arrivent à ce moment-là aussi. Enfin, il revient à ce moment-là aussi. Il émerge, bien évidemment. Les demi-cookies pour le live 12h. Plein de slimes, venez par là. Oh, il y a des fruits aussi. On va aller chercher les fruits. Hop là. On veut tous les slimes. Et les petits fruits. Ah oui, j'aurais dû aller vendre mes plortes. Tant pis. Le fruit le plus commun de l'Ouest. Ouais, je sais. Je sais. On laisse les carottes repousser. Et d'après certains, le plus délicieux. Donnez-les. Ah non, je peux plus les prendre. Oh, le voleur. Oh. Pour le moment, on va le mettre là. Le temps de prendre toutes les petites carottes. On va les vider de notre inventaire. Ah, mais il y a trop de slime partout. On va les vider de notre inventaire. Il va falloir vite qu'on agrandisse l'inventaire, c'est important ça aussi. On a besoin de plus de place. Hein. La place... Des gros dons partout! Il y a des lapins! Et il y a des gros dons partout! J'ai même pas... J'ai à peine commencé le jeu, il y a déjà des gros dons. Bah super! On s'en va! On s'enfuit! Prenez la fuite! Prenez la fuite! Ouais, il faut pas que les... Je crois que c'est quand trois sortes de slime se mélangent, ça fait des gros dons. Je crois que c'est ça. Faut qu'on fasse un poulailler aussi. Attendez, attendez. Des pogo! Moi j'ai... Des carottes! Moi j'ai... faut que je fasse un poulailler, faut que j'agrandisse... J'ai trop de trucs à faire! Donnez tous les plortes, tous les plortes! Bon, pour le moment, ça va être très pratique pour récupérer les plortes. Because, on va jeter là-dedans, ça, ouais. Because, on n'a pas encore tous les appareils pour, mais quand on aura tous les appareils pour, on va faire des gigabêtises. On a encore à manger! Le manger! Donnez-le manger. Donnez les plartes. Viens par ici. Les plartes. Ouais. Ouais. Moi, les lucioles, ils disparaissent la journée. Ok, des plartes. On va se refaire un peu de thunes. On est toujours un peu pauvres. Hein. On va aller chercher les lapins. Déjà, les lapins, à mon avis. Hop là. Ils vont me donner un peu plus de pièces. Let's go. Mais il y avait plein de gros dons, donc c'est un peu casse-pied. Les petites poules. Encore plein de gros dons partout. Vous êtes pas rigolo. Donnez-moi les lapinots. Plein de lapinots. Slime de coton. Entre et viens me... non, il est reparti. C'est pas du coton, surtout. Revoyez votre définition de coton, les cocos. Hop là. Je rejette ça. Pour le moment, je peux pas les garder, donc ça part. Hop là. Je veux les lapins. Va-t'en. Je veux que les lapins. Ouais. Les lapins. Les lapins. Toi, tu nous dis quoi? Eh bien, on nous dit, voilà. J'envoie les drones vers les... Oh, j'arrive plus à parler. C'est terrible ce qui se passe. J'envoie les drones vers leur lieu de repérage originaux. Une fois que j'aurai confirmé que les conditions sont identiques, je retournerai travailler. Cet endroit, je me rappelle encore la somptuosité de ces champs arc-en-ciel. C'est comme un rêve merveilleux. D'une certaine manière, ça l'était, parce qu'il s'était interrompu bien trop tôt. Mais... Dis donc, ça aussi on pourra plus tard. Vous êtes trop méchants, vous mangez tous mes slimes, lapins. Je suis triste. Bon, on s'en va, j'ai compris. Par contre, je veux toutes les crottes, là. J'aime bien les crottes. Des crottes gratuites, on prend. Mais me tape pas! Je suis gentille! Je mange juste. D'accord, je m'en vais. Il y a un peu trop de gordo slime ici. On s'en va, on s'en va. Dans une autre zone, ça me va. On va chercher d'autres crottes et tout. Les lapins. Lapinot. Ouais. Lapinot. Ouais. Lapinot. Est-ce que je suis insupportable? Oui. Les genres arc-en-ciel. Oh. Wow, la map est immense. Let's go. Les segous. Données cartographiques acquises. Découvrez les données cartographiques à l'ouest pour dévoiler plus de zones. Les petites... Ah, j'ai plus assez pour les poules. On peut pas tout avoir. Ah, mais il y en a un, il l'a mangé.
Du coup, il va me donner un plort. Mange la poule, mange. Mange la poule. Mange-la. Donne-moi des plorts. Mangez. Ils veulent pas, tant pis. Mangez, mangez. Et donnez des plorts. Ah, mais j'ai des carottes, en fait. Je prends les carottes. Plein de carottes. Par où je peux aller? Je sais plus par où je suis allée, par où je peux aller. Je sais plus. Je suis perdue. J'ai envie de monter là-haut. Boing, boing, je peux pas. Trop d'espoir, trop d'espoir. Plus tard, on aura ce qu'il faut, des jetpacks. Un cordeau slime. T'es beau, toi. Ta-ta-ta-ta-ta. Je sais plus à quoi ça sert, les cordeaux slime. Je crois que c'est juste gros, ça sert à rien. Je crois... Oh. Lien de raffinerie. Lien de raffinerie permet de transporter les ressources et plantes vers la raffinerie. Elles seront utilisées comme matériel semi-logique du labo pratique. Let's go. Ah, intéressant. Donc si je mets ça dedans... Ah ouais, let's go. Ça je peux pas et ça non plus. Ok. Alors toi, j'étais complètement envoûtée en arrivant ici. Je me rappelle avoir ramassé des poignées entières de pierres de gelée tant j'étais enthousiaste. Essoufflée et en sueur, je le faisais tout de travers, mais j'étais heureuse. Il ne reste que peu de temps. Je vais avoir besoin de ces liens de raffinerie pour être efficace. Mon... Bah moi aussi, il va falloir que je sois efficace. Les geysers. Un peu d'efficacité, les cordes slime. Mais là, je fais demi-tour, on va continuer par là. Explorons, explorons. J'ai cru qu'il y avait une grotte, je suis déçue. Je sais pas quand est-ce que je vais être bloquée. Je pense que je vais être bientôt bloquée, donc continuons. Non, 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 non. Ah non, pas tout de suite. Waouh. C'est beau. Très, très beau. Ah, je peux plus en prendre. Mangez, donnez-moi des plorts. Donnez les petits plorts. Non, mais je veux juste les crottes, je veux pas les slimes qui est mon mec. J'ai envie de voir de nouveaux slimes. Non, je lirai plus tard. Oh, waouh, c'est beau. C'est plein de cordeaux. Plein de gros, gros, gros. Mais moi, je veux voir les... Je crois... J'ai fait demi-tour, je crois. Moi, je veux voir d'autres espèces de slimes que j'ai pas vues encore. Oh, le petit chat. Coucou toi. Ouais. Ouais. Le slime tigré. Un petit slime tout chaud et frétillant. Oh, il y a les slimes de feu. T'es un slime de feu, t'es un slime... Non, c'est un slime papillon, toi. Un slime papillon. Les papillons. Les papillons de lumière. Oui, de lumière. Je me suis quelque peu laissée emporter par cette situation. Les petits chats. Les petits chats, les petits lapins. Ils sont beaux, j'adore parce que l'ambiance du jeu fait que quand il y a des levées de soleil et tout, ils changent de couleur. Les petits lapins, ils étaient orange. Alors que vers la nuit, ils sont plus jaunes. C'est trop beau. Là, c'est pareil, les lucioles, ils ont changé de couleur. C'est magnifique. Pareil, eux, ils ont changé de couleur. Oh, un mélange de tigré et de slime normal. C'est un slime normal qui a mangé le plort d'un tigré. Et ça va faire des gordos, tout ça. Et après, il est devenu énorme, mais je sais plus comment il devient énorme. Donc, pour récapituler. Un bateau mystère t'a demandé sur une île mystérieuse et j'ai reçu... T'as emmené sur une île mystérieuse et j'ai reçu un code mystérieux depuis la dite île mystérieuse. Tout ça semble un peu... mystérieux. Bon, je dis travail et toi tu dois aller explorer les environs. Et j'ai failli oublier. Prends ce portail de retour. Il devrait faciliter les premières étapes de ton voyage. Oh, voilà qui m'intéresse. Malgré les apparences, je ne suis pas Victor, mais un hologramme de Victor, que Victor a développé pour recevoir les messages destinés à Victor, donc pas moi. Veuillez dicter votre message, je m'assurerai de passer le message non pas à moi, mais à Victor. Super. Let's go. Alors, il va nous faire de quoi rapidement nourrir nos petits slimes. Est-ce que les poules font leur taf tout là-bas, ou je vais aller chercher... Je vais aller chercher beaucoup de... Est-ce qu'il y a des poussins là-dedans? Il n'y a aucun poussin là-dedans. Ils n'ont pas l'air de faire trop leur taf, les poules. Comment ça marche? Est-ce qu'on a une petite explication, peut-être? Pour le poulailler? Des murs hauts, ouais, ça, ce sera pratique.
Des herbes printanières attirent les insectes rampants prisés par les poulets. Une fois le ventre plein, les poules produiront des œufs 2 fois plus vite. Ok. Un vitamineur. Oh là là, il y a plein de nouveaux trucs, dis donc. La toute dernière avancée en matière de volaillologie. Le vitamineur asperge les poulets de Vitarayon qui leur permet de devenir des poules et coques en pleine santé 2 fois plus vite. Eh ben, une amélioration spéciale conçue par Mossy Miles qui double le nombre de poulets que vous pouvez élever et vire les anciens. D'accord. Ok, let's go. Très bien, on les laisse faire leur taf alors. Est-ce qu'on a encore un peu de sous? Non, il faut qu'on aille chercher des sous. Des sous-sous, des pièces. Continuons d'explorer un peu. Et récupérons les poules qu'on trouve en chemin. On récupère ce qu'on trouve en chemin. Alors. Ça marche, je m'encourage pour le taf, Tom. Vas-y, fais nourrir Mel. Et re, petit geek. J'ai cru qu'il y avait un slime qui s'était envolé dans le ciel. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les petits chats! Je vais vous chercher à manger, j'arrive. Avec plein de manger pour vous parce que j'ai besoin de thunas. Du coup, si je veux de la thunas, il faut du manger pour les slimes. Du slime rose, en vrai je vais relâcher les slime rose ici. Allez hop. Ils sont à côté, on peut en choper facilement si on en veut. Non, on veut du manger. Elles sont pas encore poussées. On veut du manger pour les petits slimes ou de nouvelles espèces de slime. Des petits lapins, on en a déjà 20, on n'a pas besoin de plus de slime. Oh, ça mange toutes les carottes. Honteux. Donne la carotte, donne. Reste là. Je sais pas pourquoi ça s'appelle slime de coton. Les lapins, ça fait pas du coton. Nani, nani, qu'est-ce qui se passe ici? Je me faufile. Plein de lapins. Donnez-moi du manger. Oh. Ah non, elle était périmée. Une carotte périmée. Elles sont trop petites. Plein de caca de slime. Tous mes caca pour moi, pardon. Oui, j'ai pété un câble, je vous confirme. On a des trucs à forger aussi d'ailleurs. Viens par là, petite poule. Viens par là. Je sais pas à quoi ça va servir ça. Oh, il y a des trucs dedans. Oh, il y a des trucs dedans. Oh non, ça va faire des gros dons tout ça. Fais pas de crottes. Attendez, faut que je l'amène avec moi pour pas qu'il fasse de crottes. Non, mange pas ça. Non. Tu vas faire des crottes. Et tu vas faire des gros dons. Je crois que c'est mort. Hein. Ah non, il y a un autre slime, il l'a mangé. Donnez-nous les caca. Les caca de slime. Donnez-les les caca. Les caca de slime. Ce jeu est trop mignon. Je suis désolée, je suis totalement addict à ce jeu. C'est assez terrible. C'est assez terrible. Des carottes. Pas de caca. Des carottes, toujours pas. Ils ont tout mangé. Ils aiment beaucoup les carottes. Il y a des fruits ici. Mais il me faudrait un... Lui, il faut lui donner plein de nourriture. Si tu lui donnes plein de nourriture, et bah après, il explose. Et je pense que c'est des carottes qu'il faut lui donner. Il explose, et il te donne des récompenses. Enfin, dans les anciens slimes, c'était ça. J'imagine que c'est pareil ici aussi. J'imagine. Plein de plortes. C'est quoi ça? C'est des plortes de lapin? J'imagine. Vite, il faut que j'aille vendre tous ces plortes. Trop de plortes, trop de nourriture. Je veux devenir riche. Là. Vendons des plortes. Ouais. Enfin, ici, on les vend pas, je crois. Ici, on les stocke. Je vais en stocker d'autres. Je vais laisser mes carottes ici pour le moment. Et je vais vite aller chercher toutes les plantes que j'ai vues là-bas. Avant que ça fasse des gros dons partout, tout ça. Ouais. Donnez toutes les plantes. Ça, c'est un chat. Vite, 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 on y retourne. Je mets les petits fruits ici. Stock de fruits, il faut que je fasse gaffe avant qu'ils moisissent tous les petits fruits. Plein de plantes. Non, les plantes là-dedans. Pas s'envoler les plantes. Pas de bêtises, pas de bêtises. Ouais. Ensuite. Oula, ça va faire des gros dons tout ça, je sens.
Ok, petit luciole. Non, faut pas que les plantes y disparaissent. J'en avais plein, plein, plein. Stylé. Non d'énergie, slime d'argot sont de grosses slimes hybrides. Aspirer pour les maintenir sur leur mot ou tirer pour les envoyer dans les airs. Non, il va faire un gordo. Aïe, 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 aïe. C'est terrible ce qui se passe. Bon, il faut retourner là-bas, c'est bon. Attendez, c'est là. Voilà. On met nos plantes là-dedans. Eux pour activer. Je veux mettre d'autres trucs dedans. Let's go. Et je veux prendre tout ça. On rentre à la maison nourrir nos slimes avant qu'ils fassent n'importe quoi et qu'on ait des gros dons. Let's go rentrer à la maison. Je sais même plus où c'est la maison. Enfin, que j'apprenne à connaître le chemin, ça pourrait être pas mal. Merci pour le follow, David. Bienvenue à toi et bienvenue à toutes les petites primoises qui débarquent sur le live. Plein de poules! N'hésitez pas à vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, tout ça. Dites-nous tout, on veut tout savoir. De l'eau. C'est pas par là chez moi, visiblement. La différence d'ambiance entre ton jeu et le mien, c'est jour et nuit. C'est vrai, tu joues à quoi, Nemos? Ouais, c'est très chill comme jeu. Très chill, très doux, très chouette. Ça va faire des gordos tout cela. Bon, on s'en va, on s'en va. Des poules! Des poules! Ouais. Des poules! Pourquoi je peux pas prendre la poule? C'est une poule spéciale? Zut! Je suis déçue. C'est par où chez moi? Je sais plus par où je dois aller. Par là? C'est beau. Dis donc. On peut prendre le gros lapin mignon. On peut si on veut, mais on peut pas l'aspirer. En fait, on peut l'amener avec nous. Mais faut le traîner sur la route, c'est un peu chiant. On peut pas le ranger dans notre inventaire. Plein de poules. Des poules. Et de l'argent. C'est des poules spéciales, c'est des poules rocailleuses. Zut de zut. Toi aussi t'es une poule rocailleuse. Je veux rentrer à la maison mais je me suis perdue. Je sais plus comment rentrer à la maison. Bah quand on a un sens d'orientation comme le mien, c'est pas évident aussi hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais qu'il y a une carte. C'est Slimepedia? C'est pas ça. Commande de base, tac tac tac. Non, je cherche la map. M? Pour map? Non. Là c'est une map. Ah, nous sommes ici, dis donc. On est loin de la maison. On s'est bien éloigné de la maison. Dis donc, dis donc. C'est pour ça qu'on a trouvé des poules rocailleuses. Y a pas d'espèce de chèvre qu'on n'a pas. Tout ça, on a déjà vu. On va voir des nouvelles espèces, non? Et rentrer à la maison? C'est pas par là, la maison. Que de sac. Donc ça doit être de l'autre côté. J'essaie de rentrer à la maison, mais je me suis perdue. Y'a des lapins qui brillent! Oui! Regarde, t'as des chats qui brillent aussi. Mais après, tu vois, ça fait trop d'espèces qui se mélangent et ça fait des bêtises. La maison. Peut-être pas par là-bas, du coup, peut-être par là-bas. Par là-bas? Ça sent la maison, on voit la serre, ouais, ça sent la maison. Mais oui, il est trop mignon, on est d'accord. Trop choupi. On va nourrir nos petits lapinots qui ont faim. Et les chats aussi, ils ont faim. On va nourrir tout le monde. Lui aussi, il voudra plein de trucs à manger. Et il nous donnera des trucs. Mais chaque chose en son temps. C'est par où? C'est par où la maison? J'ai encore perdu la maison. Par là-bas? Par là-bas. Non, ici, on est bloqué. Peut-être qu'il faut monter? Faut monter sûrement. Pour aller à la maison. On arrive à la maison. T'as marqué le truc drôle, tu l'as marqué où? Plus haut? Je vois un gros chat qui brille. Let's go. J'arrive à nourrir, je veux juste garder le coq pour faire plus de bébés là-bas. Oulala. Là là. Bande d'affamés, vous laissez mes poules, bande de malotrus. Veuillez laisser mes poules en paix. Regardez-les, les petits affamés là. À manger toutes mes boules, ils ont pas mangé mes coqs, ça va.
Ah si, ils ont mangé un de mes coques, les petits salopios. Bref, pas grave. On va les nourrir. Je suis là, je me nourris. Voilà, mangez, mangez, mangez. Voilà, du manger, du manger. Les petits... Voilà, par là, toi aussi. Voilà, du manger. Vous aussi, du manger. Plein de manger. Vous voulez pas ça? Vous mangez que des carottes? Ils mangent que des carottes. Bande de malotrus. Tant pis, je prends tout ça, alors. Ils mangent que des carottes, ces petits salopios. On va récupérer les affamés. Je vais garder les affamés dans ma main. Vous mangez ça, vous? Est-ce que tu manges de ça, toi? J'ai pas l'impression que tu manges de ça. Ils sont tous échappés! Vous mangez de ça, vous? Arrêtez de vous échapper! Aïe, 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 aïe. Bande d'affamés. Je vous l'avais dit que ça pouvait vite cafouiller. Je vous l'avais dit. Bon, on va vendre tous ces petits plurks là. Toi aussi t'es affamé, viens par là. Plein de... Oh là là, attendez, attendez. On va vendre ça. Hop là. Ouais. Ensuite, on a un peu de son, on va pouvoir faire un arbre. Ici. Ok, je veux un arbre. Hop là, ou des carottes, ça pourrait être pas mal comme on a des lapins. Vous avez construit un jardin, comment je fais? Tirer pour mettre des fruits ou des légumes. Plantation, ok. On aura un petit arbre de pogo fruits. Très bien. Est-ce que je peux avoir d'autres plantations? Ici, j'ai peut-être assez? Pour un autre corral, je vais y mettre... Ok, je vais mettre des carottes. Non, je me suis gourée, c'est pas ça que je voulais. Zut. Tant pis. Vous venez chercher des carottes et vous arrêtez de faire n'importe quoi. Bande de malotru. Vous avez cru que je vous avais pas vu? Dis donc. Hop là. Bande de malotru. Bon, ils aiment pas trop les pogo fruits. Hein. Visiblement. On va aller chercher des slime roses, mais j'ai peur que ça fasse des bêtises. On va vendre ça. Si on peut avoir un peu de thunes, mais... Ah, c'est pas mal. On va pouvoir faire un... On va aller chercher des carottes et on va pouvoir faire pousser des carottes. Les carottes. Les petites carottes. C'est trop cute, je préfère les lapinots. Oh, il y a des préférences pour les lapinots. C'est honteux, dis donc. Je veux des carottes. Donnez-moi les carottes. Bande de malotrus. Bon, bah, si vous me donnez ça, je prends après. Hop, 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 des carottes. Plein de carottes pour mes lapinots. Ok. Carottes pour les lapinots. Carottes pour les lapinots. Ok. Ta-da-da-da-da. Ah, ça c'est bien aussi. Hop là. Mais ça c'est plus pour des slime roses du coup. Carottes pour les lapinots. C'est que pour moi tout ça, c'est pas pour vous. La dame fait son stock de carottes. Allez hop, on retourne à la maison. Hop hop hop. Mais du coup ouais, j'en ai mis plein dans mon réservoir et j'ai pas pu les vendre. Je vais voir ce que je peux faire avec. Soit je vais construire des trucs, le petit truc de retour à la maison dont il m'a parlé tout à l'heure. Soit je vais pouvoir faire autre chose. On va regarder ce qu'on peut faire. Mais déjà, on va planter une carotte. Ils sont jaunes avec des grosses oreilles et brillent, oui. Ils sont beaux comme toi. Ta-ta-ta-tan. Ils sont tout chouettes. Ici j'ai fait un enclos, mais je voulais pas faire un enclos à la base. Tant pis, ce sera un enclos. Je vais faire une plantation de carottes là-dedans. Je vais attendre qu'il soit fini, après je mettrai une carotte. Hein. Sol riche. Supprimer maintenant. Ok. Non. Ici ça fait des bébés. Oh bah ça fait des bébés, trop bien. Toi, t'es une vieille poule, on va pouvoir te donner à manger. Ah merde. Je l'ai fait s'échapper. Alors attendez. On va donner à manger à tout ce beau monde. Donc vous, une vieille poule, est-ce que vous allez manger à la vieille poule? Sans battre les couilles, il la mange. Qu'elle soit vieille ou pas, ils s'en foutent, il la mange. Et je vous nourris de plein de carottes.
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Un entre toi, dis donc. Rien à faire ici, le chat. Ça va faire des gros dons, tout ça. Bon, après, juste un remix and twist de Luciole et de chat, ça fait pas direct un gros don, mais on se méfie, on se méfie. On fait attention. L'orbe de pogo fruit. Ok. Vous allez bientôt avoir faim. Vous avez fait plein de petits, j'espère. Je vous donne d'autres carottes. Faites-moi des bébés. Arrêtez de vous échapper, vous. Sans de mal autre rue. Retournez là-dedans. Zgrunogne. Mais arrêtez. Ils ont faim aussi à part d'aller leur chercher à manger. Je veux tous vos plartes. Donnez tous les plartes. Non, c'est pas ça que je... C'est les plartes. Ouais. Donnez tous les plartes. J'ai besoin de tunas. Donnez à manger. Donnez les plartes. Ouais. Non. Reviens ici, toi. Que de petites affaires. Donnez tous les plartes. C'est pas très pratique. Hein. Vivement qu'on ait les améliorations, c'est moi qui vous le dis. Aïe, 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 aïe. Ils ont faim, on va aller chercher des poules. Les petites poules. Toc, 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 toc. Des carottes. Ah, fallait que je me débarrasse de toutes les carottes. Attendez, attendez. Tout va bien se passer, ok, tout va bien se passer. Hop là. Voilà, plein de carottes pour vous. Vous, je vais vous chercher des poules. Tout va bien se passer, ok, tout va bien se passer. Les petites poules, que quelques-unes, pas trop. Hop là, toi. Et toi. Mais pas trop non plus, hein. Faut qu'on ait des bébés quand même. Après, on a plein de poussins, ça devrait faire l'affaire. Poule, poule, poule. Ok. Là, on a ça d'ailleurs. Hop là. Ok. On remet une petite poule quand même. Ok, là-dedans, on met les petits pleurs parce qu'on a besoin de tunas. Les sous-sous, les pia-piasses. Ouais, ouais. Et j'aimerais bien faire un autre enclos des petites poules pour vous. Voilà, les beautés. Sale gosse. Toi aussi, tu retournes là-dedans, là. Sale gosse. Toi aussi, tu retournes là-dedans, là. Sale gosse. Donnez-moi vos petits plortes. J'aspire tout. C'est vraiment honteux, ce qui se passe. Et je les remets. Non, venez par là. Je fais des bêtises. Que des bêtises à faire. Hop là, c'est de la gestion, tout ça, c'est de la gestion. On va vendre les petits plortes. Hop là. Et donc, on avait un entrepôt ou je ne sais quoi. Comment je fais? Commande de base. Non, c'est pas ça que je cherche. Il y a un sous-sol. Stylé. Oh, le forgeur. Une fois que vous avez un plan, le forgeur vous permet de créer des gadgets grâce aux ressources entreposées dans la raffinerie. Essayez donc. Essayons donc. Alors, voyons voir. Ajoute un résonateur au mécanisme de succion de votre aspipa qui débloque les ressources scientifiques des nœuds alentours. J'ai rien compris. Moissonneur de ressources. Des nœuds alentours, j'ai pas compris à quoi ça sert. Et ça coûte cher en plus. 450. Cardiomobule, synchronisez votre propre corps pour améliorer les systèmes de vie. Booster votre barre de vie. Non, pas très intéressant pour le moment, plus tard. Ça c'est pareil, plus tard. Jetpack, plus tard. Amplificateur de réservoir, c'est bien ça. Portable améliore. Contenir 30 unités de ce que vous aspirez. Ah, ça c'est mieux déjà. Ça, polyvalent à votre aspipack. C'est pour avoir une place de plus. Réservoir sup. Réservoir d'eau. Ajoute un réservoir spécial qui vous permet de stocker de l'eau douce. Ok. Et ça, émetteur d'onde. Non mais je veux une place de plus, c'est bien ça. Mais c'est cher par contre, hein. Fiu, fiu, fiu. Bon, ça, je sais pas à quoi ça sert, on va essayer. Moissonneur de ressources. Ok, je sais pas à quoi ça sert. Je vais essayer. Succion de votre aspirateur qui débloque les ressources scientifiques, je sais pas ce que c'est. Afin de fabriquer des gadgets, vous aurez besoin de mettre des ressources dans votre raffinerie. Très bien. J'en ai déjà mis. Ok. Essayez de tirer un plan dans la raffinerie encore? Zut. Est-ce que vous mangez ça, vous? Vous mangez que des poules, hein. Vous êtes des sales gosses. Ok. On va aller chercher un petit plan. Alors, c'est vraiment trop beau. On a un giga sous-sol stylé. C'est immense. C'est immense. J'adore. Cela me fait rêver, sachez-le.
Sachez-le, sachez-le. Après, c'est l'aubaine jusqu'à dehors. Intéressant. Est-ce qu'il y a des carottes? Ah non, ça nous ramène au bateau. Ok. Très bien, très bien. Bon, j'ai fait pousser des pogos et aucun de mes slimes les mange, les pogos. Il y a trop de pogos. Je sais pas quoi en faire. Faut que je cherche des slimes roses, hein, j'ai plus le choix. Hein. Mais ils vont faire des bêtises. Bon, je vais les mettre loin, mais ils vont faire des bêtises, je sais. Je sais déjà. On va les nourrir, les slimes roses. Parce que, faut que je me débarrasse de tous ces pogos. Ça me sert à rien d'en avoir autant si je peux rien en faire. Venez par là! Allez hop. Je vais vous nourrir, vous inquiétez pas, j'ai de quoi faire pour vous. Venez tous, venez tous! Toujours plus de pogos. Bien évidemment. Vas-y, mange, mange. Donne-moi une petite crotte. Qui a faim? Mangez, mangez ça! C'est bon, c'est mangé. Viens parler à toi. On va refaire des slime roses, tant pis. Ils ont tous fusionné ici, ça va faire des gros dents bien vite, à mon avis. Cette affaire. Un petit rose. Petite crotte. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison. Depuis quand le chat ça vole? Non, il sautille. Il vole pas. Il y en a qui partent en nourriture chez les blob chats. Bah super. Faut bien nourrir les chachas, les chachas. On fait des giga nuggets de poulet. C'est honteux, j'avoue. J'avoue, c'est honteux. C'est par là la serre? J'ai un doute. Je me suis encore perdue. Il y a des carottes partout. Je jette ça et je prends les carottes. J'ai besoin de carottes pour mes lapins. Avant qu'ils ralouillent. Parce qu'ils ont pas assez à manger. Les carottes. C'est où les carottes? Y'a plus de carottes. Les carottes, oui. Bon, c'est où qu'on rentre à la maison? Je me suis encore perdue. Les dames passent sa vie à se perdre. C'est terrible ce qui se passe. Faut faire demi-tour, non? Je pense qu'il faut faire demi-tour. Je pense, je pense. Par là, peut-être? Il y en a plein, et brille, oui. C'est joli, tout plein. Vous voyez la serre? Vous savez où je dois aller? C'est par là-bas, la serre. C'est bon, je la vois. Chance pour nous, elle est grande et elle est haute. J'ai plus assez d'énergie? Oui, mais c'est parce que je cours trop, c'est pour ça. J'avoue, j'avoue. Allons nourrir tout ce beau monde avant que ça fasse des bêtises, là. Faut nourrir les chachas, ouais, mais faut que j'ai des poules. Et faut que j'améliore mon poulailler. Bon, j'ai un peu de sous, je vais pouvoir améliorer mon poulailler pour avoir plus de poules et tout. Pour que les chachas, ils arrêtent de faire n'importe quoi. Plein de nourriture pour vous, voilà. Soyez contents, soyez heureux. Voilà. Les petits slimes normaux, là-bas. Avec plein de pogos pour eux. Mais ils mangent tous des choses différentes aussi. Ils abusent. Voilà pour vos beaux yeux. Mangez bien, donnez-moi plein de trucs. Faut faire gaffe aux tigris là-bas, ils vont faire n'importe quoi. Hop. Je récupère tout ça. Je vais aller nourrir les tigris après. Je vais améliorer le poulailler, je vais nourrir les tigris. Hop là. Ok, ça va repousser. Ok, ça va repousser. Donc on laisse repousser, on va améliorer le poulailler. Mur haut. Permet d'empêcher les poules de s'échapper, ok. Les poules produiront des œufs deux fois plus vite. Allez, ruinons-nous. On se ruine. Pour que ça produise plus vite. Faites plus de poules. Allez, hop. Bon là-dedans, ça va donner plein de plores, tout ça. Trop bien. Prenez les plortes. Voilà, on remet les petits slimes. Et on leur remet des pogos. Voilà pour vos beaux yeux. Faites-moi de beaux plortes, s'il vous plaît. Voilà.
Ils vivent dans la nourriture. Il y en a, ils sont affamés, eux ils vivent dans la nourriture, c'est vraiment honteux. Des saucisses s'il vous plaît, mais ça me rapporte pas beaucoup de sous. Ils sont tous échappés les chats? Je crois qu'ils sont tous échappés. Ils avaient trop faim. Bon, je l'échappe, venez par là. Vous avez trop faim. Je fais max de poules, un max de poules, et dès que j'ai plein de poules, je vous les donne. J'ai compris, j'ai compris. Toi, tu viens ici. Bon, il y en a encore qui ont faim dans tout ça, alors je leur ai donné plein de carottes. Dis donc. Faut que je fasse un élevage de carottes également. Hein. Bon. On va dépenser tout ça. Hop, hop, hop. Ok. Plein de saut pour nos beaux yeux. On va pouvoir encore améliorer le poulailler. Et il faudrait qu'on fasse une autre plantation. Voilà, parfait. Plein de poules pour nous. Plein de poules, ouais. Ouais. Et on améliore encore, hein. Allez, améliorons le poulailler. Mur haut. Pour que nos chachas, ils soient contents. Et ça, allez, let's go. Soyons fous. Comme ça. Ils vont leur permettre de devenir des poules et coques en pleine santé deux fois plus vite. Ouais. Trop bien. Allez. On va nourrir nos... On va nourrir nos chachas. 8 chachas pour 8 poules, c'est parfait. Voilà. Plein de manger pour vous. Parfait. Là, il y a un lapin qui se balade encore. Moi, il va falloir que je fasse une nouvelle plantation avec des carottes. Des carottes. J'adore ce jeu. Vraiment, je pourrais jouer pendant des heures. Je ne vois pas le temps passer sur ce jeu. C'est horrible. C'est terrible ce qui se passe. Ils sont encore en train de s'échapper alors qu'ils viennent de manger. Bande de malotru. Il va falloir vite que je passe bien plus haut avant que ça devienne n'importe quoi là-dedans. Aïe, 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 aïe. C'est trop ce qui se passe. C'est trop. Allez, hop. On va vendre ça. Il va falloir aller chercher des carottes. On va faire une petite plantation de carottes. Hop là. Et hop là, vous en pensez quoi de ce jeu pour le moment, dites-moi. Vous kiffez ou pas? Dites-moi, dites-moi.